moi j'ai une question. Est-ce que dans 15 ans, ouais. comme je sais pas, les plus grands, l'Interim, il y aura. Ça il y aura un retour. Après, moi j'ai envie de te dire, hein, tout est possible, mon frère. Mais c'est ça, ça il... je vais te le dire, t'as vu, ouais. il y a peut-être 3-4 ans, t'as vu, je t'aurais déjà, c'est mort, t'as vu. Aujourd'hui, t'as vu, j'ai grandi, t'as vu, j'ai mûri, t'as vu, il y en a avec qui on se reparle, tu vois pas. Et vas-y, je sais pas, hein, demain si on doit faire du paper, souvent on s'assoit, on fait du paper. Mais là, du coup, là, on arrive dans une période, et toi, t'es un Ivoirien, on a la CAN qui arrive bientôt. Ouais. Déjà, c'est quoi ton pronostic toi, pour la CAN qui va la remporter? Moi, je vais te dire déjà, la CAN, les dés sont pipés déjà. Ah ouais. Ouais, c'est comment les boy Lee? Je suis de retour avec mon binôme Cookie Cash. Le cash, c'est comment? On est là, ça va. Ouais, on est là. Ça se passe bien. À l'aise. Ouais. On est là, toujours en forme malgré le froid, pour un quatrième Money Talk. Aujourd'hui, on vous a réservé un invité spécial. Mais c'est pas un invité qu'on a fait parce qu'on était en reste d'invité. On a fait un invité que nous, on voulait faire. Donc les gars, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Big H, HP. On est là. C'est comment? Ouais, le Big à l'appareil, toujours. Totalement, totalement, ouais. Totalement. On est là, frérot. C'est-à-dire que, en vrai... Pour l'anecdote, on peut raconter comment on est rentré en contact avec lui. Ouais, fort. Non, en vrai, devant, on voulait déjà l'inviter. On voulait déjà l'inviter. On a fait une capsule sur Ramos. Ramos, non, ouais. Tu vois, enfin, Ramos. Pendant un Money Talk, il y a eu un débat sur le meilleur défenseur de l'histoire. Ouais. Il était pas d'accord. Il était pas d'accord. Donc, du coup, donne-nous ton avis par rapport à ça. En fait, t'as vu, c'est pas que j'étais pas d'accord. C'est que ça parlait mal de Ramos, mon frère. Mais Ramos, mon frère, c'est... Je vais pas dire c'est le, mais en tout cas il est dans le top 3, tu vois. 3 ? Ouais, au calme. Oh, frérot. Du monde. De l'histoire ? De l'histoire. De l'histoire, ouais. Ah ouais, ouais bah mais oui. En fait, HP pour recentrer le débat. Non, respecter. Non, respecte. Attends, nous on parlait de qualité défensive. Tu vois, quand on parle de on parle pas des buts. Ah, les mots, les gars. Tu sais, non, tu sais, on sait que je vais arriver sur les buts déjà. Tu vois pas, le rôle principal d'un défenseur, c'est pas marqué. Nous on parle de. Tu vois, la qualité défensive quand il passe, il quitte arrière pour passer défenseur central. Ouais. Est-ce qu'il est dans le top 5 de l'histoire? Mais la question est de l'histoire, mais bien ouais. sûr, mon frère, wesh. En tant que défenseur? Bah oui, les gars, wesh. Tu me dis, tu m'attends, tu me sais quoi? Regarde, déjà, regarde. Moi, pour moi, t'as vu, de 2000. De 2000. 2000 allez, je vais te dire 2014. 2013, 2014. Allez. 2018. Non, pour moi, il y a même. Tu vas me dire Thiago Silva? Ouais. Quoi. Mais frérot, moi pour moi, il n'y a personne devant lui. Hein. Maldini, Nesta, ils sont pas devant lui. Oh, frérot, c'est, non, mais... c'est... C'est... Frérot, moi je peux te montrer des... Ouais. Je peux te montrer des vidéos où ils sont lavés ces mecs-là, mon frère. Ouais, mais tout le monde, Ramos aussi, c'est fait. Après, c'est vrai que tout le monde se fait laver, tu vois. Mais Ramos, c'est trop carrément. Parce que t'as ouais. On a vu des goûts. Vers la fin, t'as vu, je te dis la vérité. Hein. Même... T'as vu, il m'a mais même pas vers la fin. Le mec, il est vu aussi. Non, quand il avait des cheveux longs, là, il y a full vidéo, il se fait laver. Après, t'as vu. C'est vrai que tu vois, quand il jouait à l'arrière droit aussi, il faisait beaucoup laver. C'est ça, c'est de ouf. On a Junior, tu vois, le Barça. Parce que les qualités défensives, je te promets que. Il est bon. Mais il y a au moins 4-5 top défenseurs centraux devant lui. En plus, des Chuck Terry, des Ferdinand. Terry. On les a vus, ces deux-là. On les a vus. Tu vois, on peut pas dire c'est des mecs. Il a un prime qui est exceptionnel parce que bah, c'est un joueur nouvelle génération. Exactement. Vas-y, bon, désolé. À son prime, moi, pour moi, il n'y a personne qui est. C'est bon, pas. Vas-y. Mais carrément là on a même déjà rentré même dans le vif du sujet sans même te présenter pour les auditeurs qui te connaissent pas, qui te connaissent moins. Du coup ben pour ceux qui te connaissent pas, qui veulent te connaître, donne-nous ta carte de visite. Bon moi c'est HP et qui est le Big H, le gros, Joe Black. Là je vous ai pas tout donné. Rappeur, producteur, tout. Ex-membre de l'MZ. Et voilà, et là je suis là, je suis mon bout de chemin, on est là. Hein. Et nous, on est content de foot de te recevoir. Donc, pour le Money Talk, on va parler musique, principalement, et de foot, vous l'avez vu. Hein. Donc, foot, ça va être très animé, ça c'est sûr. Et pour commencer, donc, HP, c'est plus de 10 ans de rap, on peut le dire aujourd'hui. Plus de 20 ans, plus de 20 ans, ouais. Parce que 10 ans en termes ouais, de pro, ouais, ouais. Voilà. Ouais, vraiment dans le game, ouais. 10 ans, depuis, ouais. 10 ans, ouais. Dans le game, ouais. Plus de 10 ans. C'est 4 albums solo, quand même. Ouais. 6 albums, 6 projets, on va dire, et 2 albums avec la MZ. Donc, il y a 2 mixtapes. Ouais, il y a plus de 10 projets, mon frère, dehors. En tout. Donc, c'est exceptionnel. Et nous, on est, franchement, on est ravis de t'avoir juste pour ça. Parce qu'on est, comme tu as vu dans les loges, il y en a qui écoutent. Ouais, moi, j'écoute de fou. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 albums vendus avec la MZ. Ouais. Exceptionnel. Sur la dictature. Sur la dictature. Sur un album, ouais, mais plus, voilà. Là, avant de parler peut-être musique, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais aujourd'hui, à l'instant où on se parle, combien il y a d'auditeurs de la MZ sur Spotify? Ouais. Dernier album, c'était en 2016.
Ouais, non, mais c'est une dinguerie, ça, frérot. Ça, je vais partout, on me le dit, tu vois, même les maisons de disques, partout, tu vois. Moi, je vais dire, là, actuellement. Là. Je sais qu'à un moment, on était monté au million, tu vois. Ouais. Là, je vais dire, là, on est peut-être à 700 000, 800 000. Non. Là, vous êtes à 940. Mais tu vois, c'est dingue. Mais c'est remonté, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est dingue, c'est dingue. C'est une dinguerie de fou. Voilà. Mais moi, j'ai depuis 2016, t'as vu, on n'a rien sorti. Rien. T'as vu? Mais est-ce que des fois, t'es là chez toi, tu te rends compte de l'impact que vous avez eu? Non, mais moi, je sais, t'as vu. En fait, je vais te dire un truc, t'as vu? Quand tu vis le truc présent, tu captes pas. Mais quand tu sors du truc, tu te mets un peu en arrière, tu regardes, tu dis, ah ouais, en fait, c'est un truc de fou. Hein. Parce que tu vois, là, tu peux regarder même des artistes qui sont sortis là, qui ont cartonné il y a 2 ans. Ils sont en baisse, tu vois, même des groupes, tu vois, qui ont fait feu, tu vois. Et tu vois, ils ont moins de tuteurs que nous, tu vois. Carrément. Et voilà, non, mais c'est lourd, c'est-à-dire, ça montre que t'as vu, nous, on a marqué notre époque, mon frère, tu vois. Et c'est lourd de fou. Non, mais moi, j'ai une question. Est-ce que dans 15 ans, comme, je sais pas, les plus grands, l'Interim, Après, moi, j'ai envie de te dire, hein, tout est possible, mon frère. Mais c'est ça, moi, ça, tu vois, je vais te le dire, t'as vu, il y a peut-être 3-4 ans, t'as vu, je te redis, c'est mort, t'as vu. Mais aujourd'hui, t'as vu, j'ai grandi, t'as vu, j'ai mûri, t'as vu, il y en a avec qui on se reparle, tu vois, pas. Et vas-y, je sais pas, hein, demain, si on doit faire du Peppers, gros, ça se voit, on fait du Peppers. Ah, mon gars, c'est important, en vrai. Mais je te dis, à 3-4 ans, je te redis, non, c'est mort, le petit con, c'est mort, tu vois. Mais comme t'as grandi. Ouais, mais toi, t'as vu, mais toi, je produis des artistes, tu vois. Tu vois comment je suis du Nesby, je connais, t'as vu. Je comprends le gars différemment. Vas-y, let's go, tu vois. Et en plus de ça, tu pouvais profiter des streams parce que vous êtes arrivé au moment où les streams, ça se bagarre. Et là, aujourd'hui. Mais de ouf, mais tu sais qu'à l'époque, dans la nouvelle génération, on n'était pas beaucoup à faire beaucoup de streams, tu vois. Les gens, ils vont les décéder. Mais nous, on streamait déjà. On avait déjà un public qui streamait quand il serait 10h sur Spotify, tu vois. Et après, dès que, vas-y, voilà, on a commencé à tout baiser, vas-y, enfin. En tout cas, je te le dis, si on serait là pour les streams, mon frère. Non, mais ça a l'air. Parce que tu vois, je vois, il y en a, ils ont des certifications de foie, tu vois, frère, on aurait des certifications de fils de pute. C'est sûr. Désolé pour le gros mot, mais. Non, non, c'est à la maison, d'accord. Laisse tomber, mon frère. Je te laisse enchaîner, continue. Bien sûr, donc là, on va parler, ça, c'est ton côté musique, avec le groupe. Ensuite, tu t'es lancé en solo. Ouais. Donc, on a dit 4 projets. Donc, il y a le B4, Rock'n'Roll, Big et Gros Gamin, qui est en 2022. Ouais. Après, en vrai, j'ai jamais sorti d'album, c'est que des mixtapes. Ouais, tu connais. Ouais. C'est des projets, on va dire, voilà, des projets. Ouais. Et entre-temps, il y a un moment de césure où t'as déniché, on va dire, Chili. On va pas refaire l'histoire de etc. Ouais, de ouf. Pour ceux qui suivent, allez regarder, mais il s'exprimait plein de fois là-dessus. Il y a un moment où il y a une césure entre les sorties d'albums où t'as. En fait, c'est toi qui nous as fait découvrir Chili aux yeux du grand public. Comment ça se passe, le HP qui est dans un groupe avec ses potes depuis tout petit, qui a un manager, producteur super connu, Davidson. On va dire son nom, et qui, dès qu'il se lance, il fait deux projets, il se dit, vas-y, moi aussi, je vais produire, et paf. Comment tu sens Chili? Est-ce que toi, t'es dans un truc où je le vois, je sais que ça a pété, et les gens te prennent pour un fou? Parce qu'en plus, de base, c'est même pas c'est un rappeur. C'est un créneau. Base, c'est un date à la cour, à la base. En vrai, de vrai, c'est un ambianceur. C'est-à-dire, comment toi, t'as la vision de dire, ce mec-là, je peux faire un que truc dans le rap? Moi, en vrai, je vais te dire 2 minutes sur le truc. Une minute même. Moi, en vrai, t'as vu, moi, c'est un pote à moi qui me parle de Chili. T'as vu? Et dès qu'il me parle de Chili, t'as vu, moi je tombe dessus. Sans que lui, tu vois. Mettons, il m'avait dit qu'il venait de Cheville la rue. Et dans le clip, j'ai vu Cheville la rue. Et maintenant, tu vois, on est bien s'envoyer des pics, tu vois. Eh, je lui dis, frérot. J'ai vu, mais ton petit Zankou là, il a pas encore sorti son clip. Voilà, de la concu là, il y a un petit là, il a un délire de fou, tout ça. Il me dit, mais c'est lui, frérot. Je dis, ah ouais. En fait, t'as vu, on s'est compris dans le truc directement. Après, il m'a dit, et on l'a fait, hein, tu vois. Et direct, et vas-y, let's go, on est parti. Hein. Donc, l'album en 2020, 5e chambre de Chili. Stream de fou, 10 de diamant, sans Pellegrino, tout pète. Ouais, bientôt, pas encore, platine. Platine, ouais. Platine, pas encore. Et tout pète. Et comment vous le vivez, si vous êtes dans un truc, où toi t'es dans un truc, je savais que ça allait marcher, ou même toi t'es quand même un peu surpris, tu te dis, ah ouais, moi en vrai, je suis pas surpris, parce qu'en fait, dès que je commence un truc, c'est pour que ça arrive, en fait. Ouais, tu vas à fond. Tu vois pas. Dès que ça arrive pas, ben c'est pas grave, on se casse les jambes, on recommence. Tu vois pas. On fait une autre méthode et on recommence, tu vois pas. Sauf que là, après, mais ce que les gens savent pas, c'est que ça a pris du temps aussi, Chili. Ça a pris moins de 2 ans. Hein. On a sorti des clips pendant 2 ans, tu vois. Et dès que ça a pris, on était content. Et Chili, il est signé chez Chap Chap Records. On est en coprod là. Okay. On en coprod maintenant, tu vois. Et là, du coup, on va passer sur une petite transition foot. Ouais. Sur une transition foot, parce que tu tâtes un peu le ballon, toi. Ouais. Ouais. Ah, mais ça, maintenant là, je suis en surpoids. Je cours plus comme avant. Tu vois, quel poste? J'ai des restes. Moi, je joue tous les postes dans l'axe, mon frère. Attaquant, 5, 6, 10.
tous les postes dans l'axe. Parce que là, t'as vu, on était dans les anecdotes, c'est-à-dire moi j'ai une anecdote avec toi. Je sais pas si tu te rappelles de l'inauguration d'un Five au Parc des Expositions. C'était où ça? Parc des Expositions, je crois que c'était le Five d'Agoudjara, je crois. Possible. Il y avait l'inauguration d'un Five, tout ça, et vous étiez là, vous avez fait une équipe MZ. On est arrivé en demi-finale, en finale, ils nous ont triché, on a joué contre des pros, on les a éteints. On a joué contre des pros de futsal, on les a éteints. Non, mais faut le dire ça. Faut le dire. On les a éteints. Ouais. Hein, des pros, ils ont l'équipe de France, tout ça. Ils ont triché pour aller en finale. C'est ça l'histoire. Exact. On est là parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est réel. Parce que je vois que tu vas te crier tout. Tout le monde était fâché. En fait, vite que je t'explique cette histoire. Il y avait des mecs qui sont en équipe de France, tout ça. Je la répète, tu vois. On les a éteints. Et non, il reste 5 minutes. Genre, le match était fini. Ouais, on fait. Après, nous ont éteint. C'est le mental. Fort. Parce que justement, avant d'arriver en demi-finale, vous nous avez éliminé nous, avec mon équipe. Ok. Et vous avez éliminé au pénalty, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et c'était toi le gardien sur les pénalty. C'était Marlo. Il a tout sorti. Ouais, c'était Marlo. Il a tout sorti. Parce que carrément, c'était qui? C'était Demo qui avait marqué, je crois, on menait. Mais c'est un gardien, Marlo. Demo, il égalise. Et tu vois, ils ont vu, c'était chaud. Foutu le gardien au cage, penalty, ils ont tout sorti, ils ont éliminé. Ouais. Et du coup, parce que sur Snap apparemment... Ouais, Demo il aime bien, Non, Demo, attention. Demo il est fort, mais Demo c'est un détracteur. Non, Demo il est fort, mais il aime bien snapper quand les gens ils font n'importe quoi. Exactement. C'est ça, je lui dis. Tout le monde qui me snap, c'est ton culé. Je lui dis, ouais, t'es bon toi. Quand je fais feu, tu mets pas quand je fais feu. Ouais. Et Blair, il rigole. C'est un détracteur, lui. Nous, on voit que les images de Demo. Tu es un détracteur, mais pas sûr. Et ce qu'on voit, c'est HP nerveux qui rate ses frappes. Il sait, c'est un détracteur de fou, lui. Mais de toute façon, au quartier, on l'appelle le détracteur, lui. C'est devenu le... En fait, c'est le détracteur attitré du quartier. Ah ouais. Et donc, il est là seulement... Il détraque, hein, bravo. C'est un détracteur. Carrément, il a créé un mouvement. Oh, quel bail. Il a créé un mouvement, je te jure, de ouf. C'est de ouf. La bite dédicace à des nouveaux passages. Détracteur. De ouf. Mais là, du coup, là, on arrive dans une période. Toi, t'es un niveau rien. On a la canne qui arrive bientôt. Déjà, c'est quoi ton pronostic toi, pour la CAN? Qui va la remporter? Moi, je vais te dire déjà, la CAN, les dés sont pipés déjà. Les dés sont déjà pipés. C'est... Ouais, gros, la Côte d'Ivoire, elle va gagner la CAN, mon frère. Tu penses? Je pense. Non, mais c'est pas que je... Ah, parce que déjà, on a vu récemment, vous avez un gardien, on lui met des frappes, il se tourne. Non, mais frérot, c'était le gardien, je vais t'expliquer. C'était le gardien de... En fait, il y a eu une petite révolte, ouais, il y a le gardien... Du club qui s'appelle l'ASEC, tu vois, ouais, c'est ouais, il est bon, il fait une bonne saison, pourquoi vous le prenez pas? Bon, on l'a essayé, bon, on a vu qu'il se retournait. Finalement, t'as vu, il est en sélection, tu vois pas. Ouais. Là, on a pris Yaya Fofana. Ouais, très bon. Très bon gardien, il a fait 4 gros matchs, tu vois. Et voilà. Tu penses que même avec vos stades remplis d'eau, là, ça va le faire? Franchement, ça va le faire, frérot. Ouais. Si vous... Oh, l'enfoiré. Ok, d'accord. En vrai, de vrai, hein. Il y a eu un petit problème technique. Ouais, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça va vite se régler, t'as vu ou pas? Ça va vite se régler. Après, on a le stade officiel, tu vois, c'est le stade Félix Boigny, tu vois. Il est à Abidjan, tu vois. Ça va être le stade officiel, tu vois. Okay. Mais c'est vrai que comme on... là, c'est un nouveau stade, ouais. Frérot, ils nous ont affiché, mon frère. C'est une dinguerie, hein. Ils nous ont affiché. Piscine de bail. Ouais, c'est une dinguerie. En plus, on a quoi? On est à 2-3 mois de la CAN. Ouais, non, mais ça va le faire. T'inquiète pas pour ça. Ok, ça veut dire que. De toute façon, toi, t'es quoi? T'es centrafricain. Moi, je suis bantou. Je suis bantou. C'est-à-dire, tout ce qui est Cameroun, tout ça, on est tous ensemble. Ok, d'accord. C'est-à-dire, là, du coup, on te retrouve en Côte d'Ivoire pendant la CAN, tu seras là-bas? Ouais, je pense que je serai là-bas. Je suis obligé. Okay. C'est la nation, c'est. Je suis obligé. En plus, ça risque d'être une fête incroyable pendant un mois. Ouais. En plus, t'as vu, Abidjan, c'est une ville où tu vois, tu peux t'amuser. C'est lourd, c'est assez développé. Ouais. Tu vois. Voilà, je pense que ça va être la meilleure CAN. Je pense de tous les temps. Je pense qu'il y a moyen aussi. De toute façon, on sera là-bas aussi. Non, mais je te dis, en termes de choix, en termes de tout ce qui est. Pas seulement sur le terrain, mais autour. Exactement. Parce que déjà, il y a toutes les grandes nations qui sont qualifiées. Bah oui. En termes de tout ce qui est ambiance et tout. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde veut y aller. On sent un engouement particulier, tu vois. Ça va pas être comme la CAN au Cameroun, tricher sur le Covid. Je rigole. Belle transition sur le Cameroun, mais le Cameroun de Car, là, parce qu'on rappelle Car Toko et Kombi, qui joue maintenant en Arabie Saoudite. Qui est passé par Lyon, par Villarreal, etc. Par PFC. Mais par la MZ aussi. Ouais. De ouf. De fou. Et comment justement tu suis sa carrière, toi?
que ce soit avec le Cameroun ou même en club. Comme moi, je suis sa carrière. Ouais. Ça, faut... Parce qu'on voit que tu es souvent dans les déplacements. Ouais. Pour le... ouais, que ce souvent, soit ouais, Lyon, Sochaux, ouais, on te voit depuis longtemps. Bon hein, ouais. Depuis qu'on est petit, on ouais. a commencé tous ensemble, tu vois. C'est... comment dire ça? Bah alors, Karl, déjà, moi, je respecte. Il faut respecter. Il faut que tout le monde respecte. Parce que le mec, à 20 ans, il était techno encore au quartier, tu vois. Il était là. Mm. Genre, il a repris le foot à 19 ans. Il joue en 19, il a tout baisé. Après, il a joué en CFA. Et il voulait même arrêter le foot avec des problèmes de genoux, tu vois. Au final, il a tout baisé, tu vois. Quand je te dis il a tout baisé, il n'est pas ballon d'or. Mm. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est non, grave, c'est mon frère. C'est fort. T'as vu, tous les gens parlent de lui, c'est très grave ce qu'il a fait. Tu vois, parce qu'à 20 ans, jamais de notre vie, on serait dit qu'il serait footballeur professionnel. Attendre ce niveau, jouer en Liga, marquer contre des équipes contre Barcelone, gagner la CAN, mon frère. Mm. T'as vu ou pas? Mm. Jamais de la qualifié aussi, qualifié aussi. Qualifié, mettre la clim. Même contre la Côte d'Ivoire, elle a mis la clim. C'est fort. Et je lui en ai voulu pour ça, tu vois. Il m'envoyait des vidéos, cet enfoiré, il chantait les chansons, cet enfoiré, là. Putain. Mais t'as vu, en vrai de vrai, faut respecter, c'est lourd. Mm. Franchement, moi, je suis fier de lui. Et c'est lourd, mon frère. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Non, de toute façon, on voit qu'il y a ce truc-là, parce que tu le suis depuis Sochaux, tu vas dans les stades carrément pour le truc. Et on voit que. Si on partait dans ce match, ouais. C'est la femme, mon 19 ans, il était là, mon frère. Non, c'est super lourd. Et lui, comment est pour la CAN? Est-ce que tu espères justement une finale Cameroun-Côte d'Ivoire? Ouais, moi j'espère. Puisse vous sanctionner correctement. Une finale Cameroun-Côte d'Ivoire. Mais je pense que. Ce sera négatif pour le Cameroun. Je pense, hein. Ah ouais. Je sais, non, mais les gars, c'est la Côte d'Ivoire, là, c'est le high level. Là, je suis serein. Ah, c'est vrai qu'en plus, là, c'est Cofana, il risque d'être là. Ah, non, ouais. il risque pas. Mais il sera là. Il sera là, frère. Ah, parce que tu connais, lui, vas-y, truc de lance, truc là, maintenant, il est parti prendre son Peppers. Ouais. Et là-bas, il est avec le Rebeu, c'est calme, t'inquiète. Il va aller venir pour éteindre. Il va être là. Ok. Il va être là. On va prendre ça au calme. Ton cookie qui est favori Cameroun. Franchement, il sait que c'est pas le Cameroun, il sait déjà. Mais nous, on n'a jamais été favoris. C'est vrai que c'est en vrai de vrai. La dernière fois que vous avez gagné, vous n'étiez pas favoris. On n'était pas favoris, donc tu connais. Si on a 5 Coupes d'Afrique des Nations, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a une expérience. Non, mais il y a une expérience qui prouve que ouais, malheureusement, vrai, tu dois vrai, nous attendre. Vrai, ou heureusement, je sais pas, tu vois. Non, c'est vrai. En fait, t'as vu le Cameroun. Comme je dis, c'est comme. Moi, je fais des débats tous les jours avec les cartes, ça. Franchement, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on peut pas parler de football avec le Cameroun. Je te dis la vérité, dans toute l'histoire, on peut pas. T'as vu ou pas? C'est parce qu'ils ont gagné 5, ils ont fait les finales, qu'ils ont perdu aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais là, aujourd'hui, là, c'est fini, là. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pour la Côte d'Ivoire. Là, franchement, là, c'est... Franchement, en fait, là, je vois pas quelle équipe, au fait, t'as vu? Après l'Afrique, il y a des surprises tout le temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que l'Afrique, il n'y a pas que le foot, hein. C'est ça. Il y a aussi les Boumara. C'est mystique. Non, mais de ouf, hein. Parce que si c'est pas les Boumara, c'est des arbitres bizarres. L'autre, il se blesse, on sait pas pourquoi. Non, c'est l'Afrique. C'est vrai. Tu peux pas prévoir. C'est-à-dire, qui aurait vu la Zambie gagner, par exemple, tu vois. Contre la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. C'est dingue, hein. Incroyable. C'est une dinguerie, ça veut dire en vrai. Pourquoi il rate un penalty, la main en l'air? Il a jamais fait ça. Ça, c'est pas un marabout, ça? Ah ouais, t'es dans ça. Non, je rigole. On passe au côté... Ouais, côté club, de toute façon. Côté club. De toute façon, je vois, t'as la passion. Et t'es un supporter de l'OM. Ouais. Tu souffres avec l'OM. Ouais. Je souffre, hein. Parce que... Vraiment, après, faut savoir, hein. J'habite, je suis un mec de Paname, mais je suis né à Grenoble. Quand j'étais petit, je suis parti au Bled. Moi, au Bled, on est pour Marseille. À Grenoble, Marseille ou Lyon. Il y avait Bakayoko, il y avait des attaquants un peu, tu vois, ouais. Que j'aimais bien. Et voilà pourquoi je suis pour Marseille. Et puis après, en déménageant sur Paris, j'aurais pu être pour Paris. Mais je suis un mec, moi, je retourne pas ma veste, tu vois. C'est-à-dire, voilà. Mais j'ai aimé des joueurs de Paris, hein. Comme Ronaldinho, tu vois, c'est des gros joueurs, ça. Zlatan, Neymar, tu vois, mais je retourne pas ma veste, moi. Mais du coup, là, t'as un autre supporter de l'OM avec toi. Ouais, ok, mais c'est... Et depuis le début de saison, c'est compliqué pour vous. Ouais, c'est dur. C'est un peu mystique. Pourtant, il y a eu un gros recrutement pour moi. Très gros recrutement. Kondogbia, on a pris Ndiaye, on a pris Sarr. Après, ça a viré des gens aussi, tu vois. C'est vrai que on s'est plaint du recrutement de l'OM avec Aubameyang et tout ça, mais en dehors de. Ils sont trompés sur le coach. Marseille. Ouais, mais le coach, comme je disais, le coach, il joue en 4-4-2. C'est une dinguerie. C'est un fou. C'est une dinguerie dans le football d'aujourd'hui. C'est une dinguerie. C'est déjà, comme je disais, là, ils sont en train de. De dire que le football maintenant ça va jouer à 3-5-2 là. Ouais. Le 4-3-3 c'est plus trop dans les. Tu vois. Et le mec il joue en 4-4-2 mon frère. En plus tu mets Illiman Ndiaye attaquant avec Aubameyang. Il est fou.
C'est un narval. Il mettait Ismaël Assar à droite et à gauche. Et c'était Correa. Lui, il est éteint. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Mais là, vous pensez quand même que l'OM, là, ils peuvent se relever pour cette saison avec Gattuso? Ouais. Ouais, s'il part dans un bon 4-3-3, hein, tu vois, il fait jouer des mecs comme Harry, tout ça, des mecs qui jouent vraiment, ouais. On l'a vu, hein, face à Brighton. J'ai pas regardé le match de fou. Il y a eu... Mais c'était pas ça, mais en vrai de vrai, on a gagné au Havre, 3-0, au Vélodrome face au Havre 3-0. Ouais. C'est vrai que c'est une équipe de Ligue 2. C'est fastoche, ça. Mais c'est facile, mais je pense que déjà avoir un coach qui met les joueurs à ses postes et qui fait une compo qui se tient... Mm-hmm. Je pense que l'OM a quand même un effectif au-dessus de la moyenne en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, quand tu regardes Lyon. Non, pas au-dessus, largement. Ouais, il n'y a que le PSG pour moi. Ah, pour moi, Monaco, ils vous boxent. Hein. Bah, pas surtout sur le secteur du jeu. Pas sur l'effectif. Ils ont des joueurs de qualité à certains postes. C'est vrai que Wissam Ben Yedder, t'en fais pas à l'OM. Tu vois ce que je veux dire? Balogun, t'en fais pas à l'OM. Golovin non plus. Bah, le gardien frère de Monaco, il. Golovin! Ouais, Golovin pour moi c'est trop. Ouais, Minamino c'est trop. Mais non, si c'est meilleur que Ismaïla Sarr que. Mais non, Minamino, arrête. Minamino il est taille Ismaïla Sarr. Arrête. Mais comment ça, wesh? Arrête. Mais Ismaïla Sarr. Minamino qui est à Liverpool là. Non, mais Minamino qui est à Monaco là, il fait une BR. Qui est à Monaco là, maintenant. Enfin, très bon début. Ouais, mais là en fait, mais pour moi justement, l'année dernière il fait rien. Très nul. Il est invisible. Problème. Golovin il joue 6 mois dans l'année. Non, Golovin n'a jamais fait une saison pleine à Monaco. Une saison pleine, soit blessure, il joue en entente. C'est des joueurs de qualité. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Football, c'est des joueurs de qualité, mais en vrai de vrai. T'es en train de me dire que là, Golovin, c'est plus fort qu'Amin Harit. Ouais, mais largement. Mais si. J'aime bien. Mais carrément. Mais carrément. En fait, j'ai envie de dire. Mais c'est plus fort qu'Amin Harit. Mais j'aime bien, c'est plus fort que Sarr. Sarr, mais ça c'est ouais, qui ça? Attends, Sarr, ouais. Sarr, très fort, mais. Beaucoup de déchets. C'est beaucoup de déchets. Peut-être il court très vite. Mais c'est le seul trait qu'on peut mettre à côté. Beaucoup de déchets. Après, il manjaille, tu vois, il fait rien. Mais pour moi, c'est un niveau trop haut. Il fait rien. Mais en termes de qualité, mais il est trop fort. Il a des qualités de ouf. Il manjaille, je ne vais pas le juger parce qu'il arrive de Championship. Il vient d'arriver. T'es tranquille. Messi, il arrive en Ligue 1, il a eu du mal aussi. Et donc, je ne vais pas tirer sur Iliman Ndiaye. Mais les tocards comme Ismaïl Assar, là. Non, mais t'as eu lui. En fait, Ismaïl Assar et Mougué, c'est la même chose pour moi. C'est que Mougué, il est encore tout jeune. Ismaïl Assar, il a eu le temps de se développer en Angleterre, ça n'a pas donné. Mougué, c'est qui? C'est le jeune caméra. Je ne sais pas pour ça. Non, mais c'est même pas le même âge en vrai de vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit joueur, tu sais, c'est des mecs. Ouais, mais Mougué. En contraire, ils peuvent rien faire, mis à part prendre de vitesse. Ouais, mais. Et Ismaïl Assar, où c'est grave, Ismaïl Assar. Ça fait 10 ans qu'il est pro. Ouais, c'est pas normal qu'il joue comme quand il jouait les tarés. Ouais, c'est pour ça que dingue. Pour moi c'est pas comparable. Ça, c'est ce que tu veux dire. Et t'en penses quoi, HP de Vitinha? Pour un Vitinha peu du PSG? Non, c'est de l'homme, non, mais ah non, mais lui, frérot. Qu'est-ce que les 30 millions là, l'année dernière? Frérot, franchement, moi je pense que c'est une douille. Ouais. T'as vu, c'est une douille. C'était bien ce qu'ils faisaient à Braga, c'est bien là-bas pour Braga pour eux. En tout cas, à Marseille, franchement. T'attends même pas cette saison pour la fin de saison? Franchement, moi je préfère qu'il joue Aubameyang devant. Ah ouais? Ouais. Et lui, en rotation? Il rentre à... En rotation, oui. Mais qui marque déjà en rotation après moi, pour l'instant, il m'a pas convaincu. Hein. Ouais. Pour l'instant, pour moi, ça, c'est 3 millions. 3, 4 millions. Ah ouais, ouais. Non, j'ai pas en fait, ils se sont fait scam, Marseille. Ouais, pour de vrai. Ah, mais moi, ils se sont fait requin. Sur lui. Ah, 30 millions, j'avoue, c'est mais... En plus, je crois qu'ils l'ont recruté en hiver, non? Ouais, en janvier. En janvier, ouais. Non, franchement, moi, il m'a... Ok, Vitinha scam. Kondogbia, t'en penses quoi? Mais il joue pas. Là, il est blessé. Ouais, mais le joueur en avant d'arriver à l'OM, non, ce qu'il a montré. Non, gros, c'est un gros joueur qu'on doit bien, mon frère. Très fort. C'est un gros joueur, mon frère. Déjà même, quand il était à Séville, moi j'ai pas trop suivi à Lens. À Séville, il était trop fort, mon frère. Ouais. Ouf, c'est Valence aussi, très fort. Monaco, très fort. Ouais, non, franchement. Après, le mec est en équipe de France aussi, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois. Après, mais bon, il y a eu les autres qui sont arrivés, les Pogba, les. Non, parce que lui, c'est même génération, lui, 93. C'est compliqué. C'est ça. C'est là, en gros, c'est un gros joueur. Carré. Non, on a fait le tournée au foot, t'as encore 2-3 questions? Non, même pas sur le foot, moi c'est carré, de toute façon. Moi je t'invite à rejouer au 5 même si c'est déjà t'as une équipe. Ouais, ça. Grave, vous tapez, ça c'est. Non. On s'est déjà tapé. Là, carrément, on peut même faire un fight filmé. Ouais, vas-y, y'a pas de problème. T'as ton équipe, nous on vient avec notre équipe. On peut organiser ça. On game en bien. C'est quoi ton équipe? Quoi? Démo. C'est mon numéro 10. Ah, c'est toi le capi, hein? C'est moi le capitaine, c'est mon numéro 10. Okay. Mais ouais, moi, y'a pas de problème. Hein. 5 joueurs à remplaçant, on vit chez Kotokan, quoi. De toute façon, les caméras sont là, c'est-à-dire que quand on va vous fouetter correctement, on pourra sortir la vidéo. Vous allez vivre ça. Ah ouais. De toute façon, comme on dit, vous allez lire l'heure, mon gars.
Vous allez venir là, on va vous montrer vraiment que comment on joue au ballon. Oh, t'inquiète. T'inquiète, c'est carré. On s'est déjà frappé. Ouais, donc on va clôturer. HP, j'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Nous, franchement, c'était, ouais, c'était un kiff de fou de t'avoir parlé de foot, de musique. Et on a un dernier petit truc, nous, pour nos invités. Mm-hmm. Qui tu vois justement à ta place pour parler de foot, de musique, musique, de tout, de culture. De foot ici, de musique. Que tu connais dans ton entourage. Dans mon entourage, bah, des mots où on met un Chili. Hein. Ils sont ouais, ils Chili, tape le ballon, ils ont le ballon en plus. Il est bon, ouais. Vraiment. Tape le ballon, ouais. Tape le ballon. C'est un attaquant. Ah, je l'avais dans ton équipe de Five, tu vas le prendre aussi. Il jouait dans mon équipe de Five aussi pendant un moment, ouais. Mais ouais, faut que je le reconvoque. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au foot. Là. Puis il est parti en prison, on n'a plus joué au foot. Là. Ok. Donc, Vito. En tout cas, bah, nous, on clôture. Vous connaissez déjà la recette. Abonnez-vous, streamez un max, partagez le Money Time. Le Big H, il vous a aussi fait part de ces projets qui arrivent. Donc, relancer, streamer. Si tu voulais dire un mot aux spectateurs. Ouais, ça va péter. Ça va péter. 2024. Même là, il a dit d'abord fin 2023, il va lancer déjà un petit EP. On lance un EP, vas-y, let's go. Donc, il s'agit d'aller streamer, donner de la force. Ouais. Parce que la force, c'est vous. Donc restez branchés, Money Time toujours branché, Money Talk qui arrive bientôt encore. Ça arrive sale sur vous. Méchant. Oh.